Zanmi telespektate nou salwe yo, mwen se Jude Onsre, ki anpil nan nou konen sou nan, non pa mse Roupé. E nou ap se tou la bienvenu a set nouvel edisyon de l'emisyon Les Grands Dossiers Politiques. Nan emisyon Les Grands Dossiers Politiques pou jounen jodi an, nou retrouve nou nan Little Haiti Cultural Center, an plein kyor de Miami, kote ke l'organizasyon Femme Haïtienne mette sou pie yon forum sou zafè TPS. Nous connaissons que plus passé 50 000 Haïtiens affectés par programme TPS qui sous liste pour le capable privé dans bout li. Et le grand suspense, est-ce que l'administration Donald Trump a renouvelé ou bien li pas renouvelé? En attendant que nous arrivions là, ce forum sur l'immigration et sur TPS débat opportunité à divers avocats spécialisés dans le domaine immigration, puis au capable mettre les points sur les i et expliquer situation haïtienne et qui ça qui doit être fait pour que le programme TPS soit capable de renouveler dans l'intérêt plus passé 50 000 haïtiens. Donc, je vous dis, dans l'émission spéciale, ça a, nous avons une opportunité pour nous image avec déclaration en pile gros avocat dans Miami qui travaille longtemps sur le dossier immigration avec TPS. La bien opportunité tout pour nous capables d'entendre à travers des interviews exclusives que nous fait avec responsable femme haïtienne en Miami. Nous également engager la conversation avec avocat yo, nous poser aux questions et des questions très importantes et dans l'émission journée aujourd'hui, amis téléspectateurs, toute information sous affaire TPS côté nouyé dans TPS à journée aujourd'hui, qui ça doit être fait pour nous gain TPS là, c'est ça nous pour l'adresser dans l'émission ça. Nous contents qu'on prend un moment pour capable t'en dégader et faut me dire que nous c'est une rare média haïtien qui était là qui vient couvrir événement et les organisateurs étaient très contents et très satisfaits de présence nous et nous même tout dans télévision hein, c'est rôle nous pour nous capable aller côté information et côté actualité et surtout aux informations de ce genre qui affectait 50 000 haïtiens nous pas capable dormir sous lit sans que nous pas l'ouvrir genou pour nous capable connaître ça qui a passé. Nos amis téléspectateurs, émission spéciale TPS, les grands dossiers politiques, si on courtoisie de plusieurs entreprises commerciales, Lex Community Ballroom et Restaurant, Johnny C Production, Double L Productions, l'organisation Nous Chrétiens qui gagne un live concert qui a organisé dans New Jersey très bientôt, et puis gagne le comité de la soirée du 50e anniversaire de l'orchestre Les Fantaisistes de Carrefour en plein cœur de New York dans le mois de juin. C'est toute organisation SAO qui a patronné émission spéciale ça, jeudi et jeudi. Dans la pause, l'entourne, tout ça où nous connaissons, ce côté nouillé dans le programme TPS, et qui ça ou doit faire pour capable poter coller pour que l'administration Trump-Lan capable changer fusil d'épaule et bail extension TPS à tout haïtien. Yon pause. N'aptonne. Lex Community Ballroom et Restaurant l'ouvri porte-li dans 4322 North State Road 7, Lauderdale Lakes, Florida, pour le desservir tout le monde à la ronde badet, cap chercher un bon restaurant pour bien manger. Yon salle de réception pour les grandes occasions, yon espace de rencontres socio-culturelles, yon salle de conférence pour les séminaires. Relais 954-677-5117 pour information et réservation. Lex Community Ballroom et Restaurant paraît pour recevoir mariage, baptême, communion, baby shower, anniversaire, réunion familiale, banquet évangélique, réunion de travail, soirée dansante, événements culturels ou autres activités privées ou publiques. Relais 954-677-5117. Salle spacieuse, espace confortable, section VIP pour les invités de marque, prix abordable. Lex Community Ballroom et Restaurant à votre service. Au 4322 North State Road 7, Lauderdale Lakes, Florida. Téléphone 954-677-5117. 954-677-5117. Lex Community Ballroom et Restaurant, l'espace des célébrations de classe. L'organisation Nous Chrétiens vous invite à un grand concert évangélique live band fundraising à l'occasion de la fète des Pères, samedi 17 juin 2017, dès 6h du soir à Salem Auditorium de East Orange, 10 South Houghton Parkway. Au programme, l'excellente formation évangélique Miracle Band, l'artiste à la voix splendide Jean Saint-Fleur, l'étoile de la chanson spirituelle Malbranche Nixon et le chanteur gospel de grand calibre Jackson Damonville, également à l'affiche d'autres artistes évangéliques de talent.
Mesdames, c'est nous-mêmes qui vous menons, messieurs, à le fêter papa. Samedi 17 juin 2017, 6h du soir, dans Salem Auditorium de East Orange, 10 South Raton Parkway. Admission $25 à l'avance. Soirée live, Gospel Band, Fundraising pour l'organisation Nous Chrétiens. Pour tickets et informations, 973 996 52 48. Ce grand concert pour la fête des pères, samedi 17 juin à Salem Auditorium de East Orange, est placé sous le haut patronage de Danushka Maison des Cadeaux au 793 Stavisen Avenue, Irvington. Happy Father's Day! À l'occasion de la fête des pères, Double L Productions invite à un black tie affaire avec trois grands talents de la musique haïtienne. Samedi 24 juin 2017, de 8h du soir à 2h du matin, au Indian Spring Country Club, qui dans 11501 Elkler Ranch Road, qui dans Boynton Beach, Florida, la fête sera belle. Avec le chanteur-guitariste Ralph Condé et son groupe. Robert Charlot de Top Vice et New Vice et son équipe. Et Didier Nicky Mix pour les meilleurs mix de la soirée. De 8h du soir à 2h du matin, viens bien fêter samedi 24 juin 2017 dans Indian Spring Country Club, qui est dans 11501 Elkler Ranch Road, Boynton Beach, Florida. Mesdames, c'est tout pas nous pour nous mener papa yo à le fêter. Admission $75 par personne. Cocktail hour, cash bar, dîner complet. Tenue de gala obligatoire. Black tie is a must. Free valet parking for all. Ticket en vente à l'avance seulement au 561-758-0999-954-531-5576. Happy Father's Days from Double L Productions. Cette année ramène les 50 ans du groupe Les Fantaisistes de Carrefour. Pour couronner ces 50 ans en grande pompe, l'association Carrefouroise lance une tournée avec les membres de l'original Les Fantaisistes qui débutera à New York le samedi 24 juin 2017. Yves Mardis, Rico Mazaré, Carmen Bichotte, Weber Toussaint, Carlos Souvillon, Mama Charles, Eddie Charles, Bennett, Inemou et compagnie reviennent sur le devant de la scène avec Les Fantaisistes de Carrefour dans un gala de haut rang à Long Island Marriott Hotel le samedi 24 juin. Invité spécial, New Look. Allons profiter de cette soirée fantastique avec les vrais fantaisistes pour témoigner de notre gratitude envers eux pour toutes ces années de bonne musique. Cocktail hour à partir de 8h, remise de trophées, dîner, mini-show de Yves Mardis en solo et performance magistrale de les fantaisistes de Carrefour en tandem avec New Look. MC, Rupee the Entertainer. Frais d'admission, $125 avant le 30 mai ou $150 après. Infoline, 917-306-0211 ou 718-506-5619. Gala patronné par Dr. Dalmassi, avocat Max L. Jean-Louis et Haïti Première Classe. Occasion fête des pères dans Georgia. Johnny C. Productions invite tout le monde à la Ronde Badet dans une soirée qu'est content. Griendan samedi 17 juin 2017 là dans Global Mall qui dans 5675 Jimmy Carter Boulevard dans Northwest Georgia. À l'affiche, le grand comédien Kako venu directement d'Haïti. Comédien Kako pral déposer blagues, exposer personnages politiques et transposer les réalités de la vie des Haïtiens en comédie. À profinerie, vente des boutonnets à Kako, suépi à tout déraper à Pibon DJ à DJ Final. Cadeau souvenir pour tout le monde dans spécial Father's Day Bingo Night qui a déroulé samedi 17 juin 2017 là dans Global Mall qui dans 5675 Jimmy Carter Boulevard North Cross Georgia. Ouverture des portes 8h du soir, showtime 9h. Admission générale $25, crédit card, débit card, cash accepté. Relais 404-901-1511 pour réserver ticket port et réserver ta part à l'avance. 404-901-1511. Bonne fête à tous les papas de Johnny C. Productions. Johnny C. Productions is inviting each and every one of you on Saturday, July 8, 2017 at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia, to dance the night away at the sounds of the beat of J. Beats. Music, ça, c'est pour X-Men.
What a wonderful night for Atlanta, Georgia, Saturday, July 8, 2017, Jay Beats, The Beats, performing all hits just for you. Also performing live, Bougie Mix. Special happy birthday to Bougie Mix, Fred Sound and Marie Cassandre. Keep it tight. At the intermission, DJ Easy will mix it to your test. Saturday, July 8, 2017. The Beats start at 10 p.m. at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia. $30 in advance, more at the door. Reserve your tickets and tables today by calling 404-901-1511, 404-901-1511. Most credit cards accepted. Saturday, July 8, all at the Hall. Rupi Production Television, RPTV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10h, Opinion PAO avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10h, Opinion PAM avec non PAM, c'est Rupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soirs, 10h, série de vidéos documentaires à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Roach Lee, le correspondant de RPTV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10h, promotion totale. Le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous les vendredis soirs, 10h, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi, 6h du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Rupi Culturel TV Show. Tous les dimanches soirs, 6h, moments spirituels, activités des artistes évangéliques et gloire à Dieu. RPTV, Rupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Amis téléspectateurs, nous avec Marlène Bastien de l'organisation Femmes Haïtiennes dans Miami et qui prend l'initiative d'organiser forum ça sur immigration et TPS. On t'y parle nous de programmation, planification et forum là et puis résultat pour vous-même. D'accord. Alors, le forum là, c'était pour engager différents avocats qui travaillent dans la communauté hein. Pour nous voir comment vous pouvez adresser la question du statut protégé en TPS. Si vous décidez pas de renouveler, qui bataille légale la communauté en Kamene, si vous ne renouvelez pas. Si vous renouvelez temporairement, qui stratégie pour nous avancer. Et puis, si la décision pour vous renouveler pour 18 mois ou bien 24 mois, qui stratégie. Parce que chaque décision a une propre stratégie. Par exemple, stratégie, nous même non favorisée, nous même non formalisée dans Miami, hein, c'est pour être renouvelé pour 24 mois. Donc, si vous renouvelez pour 24 mois, nous allons engager la communauté hein, pour nous commencer une bataille pour un statut permanent. Parce que nous avons une administration tremplant, nous avons une équipe côté li, autour de lui qui est foncièrement anti-immigrant. Et dans le débat, conversation avec eux, initial avec eux, ils ont déjà décidé pour ne pas renouveler le TPS. Là. Mais quand ils ont progressé et dans une étape, côté, s'ils ont renouvelé, ils ont renouvelé seulement temporairement pour 6 mois, pour donner l'État haïtien chance pour planifier pour le retour haïtien. Mais nous même nous connaissons que le pays d'Haïti pas prêt, le pays d'Haïti pas de capacité, le pays d'Haïti pas de infrastructure pour recevoir 68 000 monde, puisque il n'y a pas même une capacité pour nourrir les Haïtiens qui sont en Haïti, qui vivent dans des conditions déplorables, qui n'ont pas manger, qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas accès à pile monde, qui n'ont pas accès à l'éducation, pas vrai? Donc on est payant, il n'y a pas récupéré après le tremblement de terre. Il y a 1,2 million de monde qui ont choléra, qui sont victimes de choléra importée, qui sont contaminés avec choléra importée. Hein? Et jusqu'à présent, Nations Unies, pas jamais, et qui a ramassé l'argent et il dit que il besoin 400 milliards de dollars pour non seulement compenser haïtiens qui mouri à 8000 qui mouri à choléra et compenser 1,2 million qui gagne choléra et puis bâti infrastructure pour haïtiens en Haïti qui accès à l'eau potable c'est 20 millions seulement il déjà ramassé dans 400 millions
un milliard de dollars. Pas million, 400 milliards de dollars. Donc, billion, c'est milliard, pas vrai? Donc, Haïti pas de capacité pour l'absorber. Et 65 000 Haïtiens qui vivent dans la frontière, là, qui sont rapatriés de République dominicaine, qui vivent dans la condition plus mal passée, cochon la gonave et en bon créole, qui dirait qu'on y a là pour le temps et absorber 58 000 ressortissants haïtiens qui vivent aux États-Unis pour en moyenne de 7 ans et demi à 15 ans. Notez quoi, c'est que c'est hier, on parlait avec un infirmier haïtien qui a 18 ans, qui a un TPS, mais qui a 18 ans dans les États-Unis. Alors, on a parlé de 58 000 à 60 000, 70% dans les monde qui fait dans le pays, hein, et on a parlé de presque 1 million de monde. C'est ça, oui. On va parler de seulement 58 000 haïtiens, on a parlé de 1 million de monde et qui peut-être cap obligé envahir le pays. Donc, est-ce que le pays d'Haïti est capable? Non, il n'est pas capable. Donc, c'est ça que nous, même dans la forme haïtienne dans Miami, hein, Non, on a développé une stratégie. Si on renouvelle, la prochaine étape, là, c'est pour nous avoir un statut permanent avec un route pour venir éventuellement citoyen américain. Et ça a bénéficié les familles ici aux États-Unis, ça a bénéficié le pays d'Haïti. On a un gado dans ce moment-là, et qui sont citoyens qui sont dans le TPS, et cap gado là, qui sont dans le café, qui sont dans le café pendant le gado là. Les White House, les Maisons Blanches là. 202. 456 11 11. Relé yo, chaque monde qui relé yo enregistré appel là, chaque monde qui relé yo enregistré appel là, et puis dans état ou ya consulter monde qui représente ou dans congrès ya, monde qui représente ou dans sénat, mandé ou puis relé président Trump. Clé qu'on y a là dans quelques jours qui était là, parce que le 22 faut yo bail décision, est-ce que y a campé li ou bien est-ce que y a continué, si y a continué pour combien de temps, pas vrai? Relé jodian même, relé puis poster sur social media, relé White House, parce que nous connaît déjà côté secrétaire John Kelly, nous connaît qui côté lié, et il dit que qu'on y a même position pas lui même l'attend boss lui, boss c'est président Trump. Donc focus là de jodi à 22 mais c'est président Trump. 202 456 11 11. L'important. Si vous bloquez le numéro, vous avez souhaité, c'est un bon bagage, ça veut dire que Haïtien a pris les, parce que en général, Haïtien a toujours voulu tant pour tout ce qu'on a fait, et pour lui-même, la tant de résultats, pour bénéficier de résultats. Nous souhaitons que vous bloquez le numéro, parce que si vous bloquez, ça veut dire que grand pile Haïtien a pris les, qui a demandé pour renouveler TPS. Si vous bloquez le numéro, hein, pas vrai, et nous souhaitons son bon bagage, c'est Haïtien qui a pris les, c'est pas l'autre monde, c'est pas pour lieu. Parce que pour lieu même, il y a besoin de régler pour lui. Et ça fait toujours besoin de ça, besoin, parce que yo relé yo mette pression sur officiel monde qui représente yo. Et on relé 202 456 11 11, si yo bloqué le temps de 30 minutes ou bien 45 minutes, une heure de temps, relé encore. Relé encore. Do your part. N'a bataille nous même dans famille ici à Miami. Nous développons coordination à niveau national et nous te fait conférence aujourd'hui pour bailler formation. Et est-ce que nous avons amené les États-Unis dans le tribunal? Oui, nous avons amené dans le tribunal. L'avocat va répondre ça. Mais nous n'avons pas besoin d'arriver là. Si tout Haïtien, en 58 000 personnes qui ont un TPS, ça tu protéger, ils ont fait ça, ils ont supposé faire. Même j'ai avocat Ira Skersman, qui est avocat en chef. Il y a un avocat qui est plus connu à travers le monde. C'est chef dans l'immigration. C'est un expert en immigration. Tout gros livre sur l'immigration aux États-Unis, c'est lui qui écrit. Il dit que. Et tribunal, aller dans le tribunal, ah bon, mais qu'on y a là, c'est pour nous mettre deux colonnes dehors sous béton dans différents états, et puis relé, 202, 456, 11, 11. Merci beaucoup, ma conseil, un dernier mot. Merci, je suis rencontrer vous, et moi, je connais la famille, et la famille de Onsré. Je suis content, mon jeune leader, qui prend la relève. Parents, fait sacrifice, parce que pour actif dans la politique du pays d'Haïti, ça m'a des sacrifices. Donc, nous comptons pour nous, ouais, eh bien, petite et gros figure politique, ça y est en Haïti, qu'on y a là, il a fait travail là, continue de travailler là. Même le c'est pas en politique, mais dans différents domaines, ça son plaisir, en honneur. Merci. Merci beaucoup. Et au même tour, on va faire un pile bagage, on apprécie ça. Merci, au revoir. Bon, amis téléspectateurs, Groupe Production TV, et nous avec avocat Surette ici Michel. Très connu dans la communauté, comme monde qui toujours campé à la communauté dans tout moment difficile. Et un moment difficile à traverser journée aujourd'hui, c'est TPS. Avocat Sissi Michel, côté nous, il y a dans TPS, qui ça pour fête? Ok, dans le moment ça, j'en tout le monde connaît, TPS est supposé expirer 22 juillet et il y a un délai 22 mai
pour gouvernement américain ta prendre décision pour au ca faire une notice pour expliquer mon yo s'il y a extendi PSA pour combien de temps. Jusqu'à présent, nous pouvons avoir aucune réponse officielle de gouvernement américain à la personne de secrétaire général John Kelly, secrétaire général Homeland Security John Kelly, mais comme nous connaît que bah TPSA sont un bagage qui politique lié tout parce que immigration les politiques et gouvernement président Donald Trump a bien pour lui bail poil en balance dans tout non si ça qu'a fait là ou bien en aider si ça qu'a fait pour haïtien capable joindre TPS. So gens nous connaît là pour qu'on gagne officiel qui sorti et n'a prétend jusqu'à le 22 mai pour nous connaître qui ça qu'a fait. Mais en attendant une bagarre qui est extrêmement important pour moun yo connaît que me dit ça tout temps moun qui gagne TPS yo gagne des droits yo gagne des devoirs connait là en ça qui concerne droits yo moun yo ta supposé connaît que. Et sous la carte des portes à frapper, vous attendez de ces DHS ou pas besoin d'ouvrir. Mais nous pouvons arriver dans le point ça. Ça que tu as supposé faire qu'on y a aussi, c'est d'accord ça les community outreach. Pour le monde commencer à parler avec le monde, le monde qui est un petit peu de monde, pour communiquer avec le voisin, le pasteur, le père dans l'église, pour chercher aide. Et puis s'il vous plaît, si nous avons besoin de connaître, contactons un avocat parce que avocat a des informations, il y a de bonnes informations. Un avocat qui est spécialisé dans l'immigration a de bonnes informations parce que il y a un pile rumeur de yo a m'a pas souhaité moun yo tomber dans rumeur pour y aller affoler pour aucune raison. Alors si nous capable informer tête le plus que possible pour nous connaître qui ça cap passer dans domaine TPSA, mais c'est ça dans point ça on dit connait là. Bon, est-ce que vous senti que nous fait suffisamment d'efforts et dans point que nous y journée aujourd'hui parce que tout à l'heure là on t'a parlé avec avocat Ara Kersman qui senti que communauté a manqué présent et dans propre bataille en combat comme si ou même état d'esprit a. Bon, et pour moi-même, et finalité c'est extension TPS. Et ça me capable dire ou me capable d'accord avec Ara sur un aspect c'est que moun yo manqué présent, moun yo manqué participer, moun yo manqué supporter, mais faut connaître tout un problème qui poser son problème information parce qu'en pile des fois moun yo pas jeune information du moins si yo jeune information yo information je ne sais pas information qui vrai et le fait que moun yo pas connaître qui ça qu'a fait à qui ça pas fait en pile des fois moun nèg doit peur engager puis comme ça tout gen moun qui un petit pièce qui ta remet sorti pour yo parler pour tête yo peur et parce que au peur la difficile pour moun nan vinn ba on support et forme de ça différent moun wè bagay TPS à différent manière et ara gen raison non aspect mais en même temps tout et ça pour fait là moun ki té capable faire le li nous té capable toujours profiter de plus support mais nous pas jwenn support nous utiliser les moyens du bord c'est dans point ça nous yé. Bon dernière fois nous té parlé publiquement et vous té signalé que le gouvernement haïtien té manqué et participer dans effort qu'a fait pour TPS aux États-Unis. Récemment nous apprendre que président Jovenel Moïse écrit une lettre par président Donald Trump pour capable renforcer position et TPS pour haïtien et est-ce que c'est en réponse à ça demandé. Bon bara dit son réponse à ça me demander mais c'est comme si me décadou et ça son bagage qui était supposé faire quand américain dit yesterday son bagage depuis un an à l'avance gouvernement haïtien était supposé ap gérer le pour yo connait qui ça qu'a fait qui gen qui côté qui bon et me tande gon lettre qui fait effectivement malheureusement moi pas ouais lettre là moi pas connait contenu li moi pas connait si lettre arrivé à destination si gon lettre qui fait moi même n'importe ça capable faire pour supporter cause pour aider m'a pas apprécier ça et puis c'est tout. Bon et maintenant dans point que nous y journée aujourd'hui et qui espoir en tant que monde qui bon dans les aspects légaux qui compte plus passer et simple citoyen et qui espoir qu'on gagne que n'a bien extension TPS. Bon connait la lion ti genre compliqué dans la mesure où Haïti c'est pas seul pays qui gagne problème TPS et c'est pas seul pays que TPS ça a expiré dans année ça et espoir me gagner m'pa konnen comment m'ta di ça espoir c'est que m'pense que TPS ta supposé renouveler extend alors pour haïtien qui gagnent yo pour les réenregistrer m'ta supposé extension mais ça passé si n'a pas les légal seulement m'ta di très confidente raison hein, c'est parce que loi TPS la même loi que yo t'ai fait congrès t'ai fait dans les années 90 congrès t'ai by des critères bien spécifiques qui capable faire un pays désigné et puis pour citoyen pays ça qualifié pour TPS jusqu'à présent d'après ça qui concerne d'après ça me comprendre d'après ça me connaît conditions légales qui c'est country condition comme si ce pays a pas avancé ce en désastre naturel est-ce que gen moun ki mouri est-ce aspect économique yo ça aurait les totalités circonstances si
moment propice pour yo ta cap sta petit pièce à moi-même pour ça me connaît pour information pam Haïti toujours été critère qui t'ai fait que tu es considéré pour te bâtir pièce ça critère ça toujours valable je dis parce que nous t'ai gagné choléra plus que 10 000 monde mouri tremblement de terre de manière structurelle rien pour vraiment changer même quand les 7 ans après nous gagne tropical storm nous gagne des bagages qui passent tout temps chaque année c'est dire pays a pour comparer en termes de structure pour me capable de les recover les reprendre pied les sous pied encore par rapport avec ça vraiment pour répondre question on pensait que légalement Haïti critères Haïti rempli critères mais si nous prenons aspect politique parce que ça qu'a fait la gagne deux aspects les grands aspects politiques les grands aspects légaux si nous rester sur aspect légal là Haïti rempli conditions pour gouvernement ta extend TPS là si n'a prend aspect politique là m'pas confident du tout m'pas connaître ça qu'a pas passé bon maintenant on prend scénario que yo ba TPS là c'est ça nous tout souhaiter mais TPS en pral et extension pral fait pour 18 mois pour 24 mois apparemment il pas au-delà de 24 mois donc est-ce que ça veut dire que dans 24 mois nous dans même bataille là encore renouveler TPS encore ou bien quand dit mon Haïti quand la boute et il est pour aller alors faut signaler que gain c'est la extend gain possibilité pour l'extend pour 6 mois pour 8 mois pour 10 mois pour Dieu, pour quel que soit ça ou penser que c'est ça le ta supposé hier et moi-même une bagarre que moi-même moi focus sur lui pour extension TPS même penser que loi ça loi pas complet raison fait me dire loi pas complet l'heure où font loi comme ça ou qu'on va pouvoir porte pour recevoir monde même monde qui fait loi ou ta supposé mettons l'autre ça me ta ka di un loophole on l'autre bagarre que monde capable utiliser dans même loi pour ta peut-être ajuster statut de manière plus permanente dans le futur mais qu'on y là nous pas qu'on arrive dans point ça et me penser ça que tu as supposé fait monde qui ça ou les élus officiels yo faut monde ça un débat ou tu as supposé comment c'est fait pour comment capable mettre conversation sous table là pour même congrès qui t'ai fait loi type ça que t'ai dit qu'on capable gain type ça qui sont statut temporaire protégé pour un temps est-ce que même monde ça tu pas ta conversation pour mettre des critères sous table là qui peut-être ca permettre au monde gain type si monde rempli critères yo pour monde capable ajuster pour un statut qui est permanent mais dans connier là et je pense que une bagaille qui est important c'est que si yo pas renouveler moi c'est sa question entier si yo pas renouveler et la extrêmement difficile gain des différents organisations différents groupes qui envisager différents plans d'action comme nous poko là mais quand même n'a travail sur ça qui pour faire et ça pour m'a pas ajouter aussi si par exemple si pièce ça ta extend vous nous espérez que l'extend qu'on est la fond penser que qui ça nous va le faire pour tant l'expend là pour l'heure nous venir river la expire pour nous pas dans même bataille ça parce que pas car peut-être faire même bataille là tout temps mais forme du légalement tout autre Haïti rempli critère il t'a supposé juste gain extension son formalité li comprendre mais qu'on est là nous pas là et moi espérer que la extend et puis nous espérer continuer we hope for the best. Docteur Smith Joseph, merci beaucoup pour l'opportunité à pour et connecter avec les spectateurs. C'est encore un bon jour lié pour nous et jodi a li un bon jour li pas un tellement bon jour non plus et à cause de problème TPS là et merci pour et félicitations pour lancer à mon endroit et pour et les victoires que nous avons gagnées dans l'élection semaine dernière. Et pour réélu pour les magistrats dans la ville de Miami, c'est toujours. Nous sentons que c'est un devoir pour nous servir le peuple là, pour nous mettre les problèmes vraiment en évidence et pour nous capables de nous aider, nous capables d'engager, nous capables d'encadrer tout. Et ceci dit, nous avons essayé de mettre notre Miami en diapason pour être capable de vivre dans un niveau standard, plus ou moins, côté que nous capables de compiter avec toute l'autre ville. Et en ce qui a trait à TPS là, comme vous connaissez son mauvais impasse lié pour nous, et mais la bataille qu'on est haïtien, son peuple depuis création et nation, nous, c'est avec un pile bataille, avec sang coulé, mais nous n'avons pas besoin de sang coulé pour TPS là. Toujours est-il que nous connaissons que le paquet haïtien qui rentre pas bon ici. Haïtien comme moi-même, qui a une histoire et côté que nous sortis en Haïti, a fait bah, pas. Et nous pas sorti dans famille riche et nous rentrons pas bon ici et de façon illégale nous vin légal et puis tant bien que mal malgré vents et marées nous franchis
et les rideaux de fer dans le pays pas bon ici. Nous venons des médecins, nous venons des avocats, nous venons des ingénieurs, nous venons des professionnels de toutes sortes. Alors, l'économie américaine, hein, nous connaît que Haïtiens contribuent un bon pourcentage là-dedans. Non seulement l'économie, hein, et freedom, ça veut dire freedom, liberté, ou du moins indépendance. Et Haïtiens ont aidé l'Américain bataille. Et pour 1779, et Haïtiens ont aidé l'Américain et puis ont combattu contre l'oppression et British et Grande-Bretagne. Alors, TPS là, nous besoin pour l'expliquer et nous connaît que nous espérer que l'administration Trump là l'a fait the right thing parce que Haïti plus clairement qualifié et les rencontre les satisfait et tous les critères requis pour un monde et pour un groupe ethnique TPS. Nous pas besoin trop élaborer, mais nous connaît et le séisme de 2010 et plus nous gain épisode et choléra. Plus de cyclone Mathieu qui se passe là, et plus et nous ferons élection qui fait. Et président, pour qu'on même finisse bien chita même, Haïti pas tellement grand économique qu'on est capable et pour capable vraiment subsister. Il y a un refoulement de 50 000 Haïtiens et qui bénéficient de TPS par bon ici. Ce qu'on a demandé, ce n'est pas en faveur que lié tellement. Comme nous dit, nous satisfait les critériaux. Et puis son bagage humanitaire lié tout son avec de ça relé et droit civil human rights et que n'a pas encouragé gouvernement et Trump là et pour vraiment garder liste de critères et juste et comparer qu'à Haïti hein, il a fini pour voir que nous satisfait critères que Haïtien vraiment yo qualifié pour TPS là. C'est ça que nous avons demandé. Et nous avons oublié que ça fait déjà quoi, peut-être 4 à 6 semaines. Moi-même, en tant que maire, et moi j'ai présenté une résolution. Côté que nous avons discuté et puis nous avons approuvé pour nous aider pour demander à l'administration de son plan pour extendre ce TPS là. Et puis, on a perdu 24 à 48 heures plus tard. Nous avons cheminé la résolution ça actuellement. Sous bureau du président Trump, il est actuellement sous bureau et secrétaire et Homeland Security administration Trump là. So Napton, pendant que Napton dans tout, faut nous continuer mettre pression hein, parce que pays par bon ici, système dans son système qui marche sous pression. C'est pression pour nous mettre au lieu de pour prendre l'argent et nous à acheter des armes pour préparer des armes pour faire guerre nucléaire. Et au lieu de pour occuper et problèmes qui prennent des milliards et des milliards de dollars, et bien je crois que le problème TPS haïtien est prépondérant et de nos jours, je crois que son problème nous supposé mander Trump pour lui approuver, pour lui faire aussitôt que possible. The Haitian community has never won a immigration battle in this country without a fight, and it looks like we're in the same situation with TPS. The U.S. government well knows, especially Secretary Kelly, who was the head of the Southern Command as a general, knows full well the conditions in Haiti. And those conditions clearly meet everything that is required for temporary protected status. We've had destructive hurricanes in Haiti. We've had a major earthquake in Haiti, and we have the largest cholera epidemic in modern times. 800,000 people have contracted cholera, 10,000 people have died. So all those things that TPS normally requires, clearly Haiti fits that description. So why aren't they giving it? It's a matter of discrimination. It's a matter of racism. It's a matter of Trump's politics of not allowing anybody to stay in the U.S. So we intend to fight it, but the real fight has to be in the next few days in the streets in the United States. People have to come out and demonstrate. They have to call their members of Congress. They have to call the White House and particularly call Secretary Kelly, because Secretary Kelly knows what the real situation is in Haiti and knows as a matter of fairness and morality that the 50,000 Haitians in the U.S. should be given temporary protected status. That the U.S. government was bound legally
democracy, there are people like Ira Kurzweil who will stand up for what is right, who will stand up for human rights, who will stand up against those in power who benefit from immigrants and refugees' labor and yet refuse to recognize their contribution in this great United States of America. And thank everybody. We've been fighting for the kids because they are the future.
grateful recognition of Ira Kurzman Esquire for the significant and lifetime impact to improve the treatment of immigrants in the U.S. Your no-nonsense, consistent leadership for a just and thriving Haiti, we will never, never, never forget. From Haitian and Miami, Haitian women of Miami, May 19, 2017, Little Haiti, Florida. Merci, Ira. Great leaders and